Monsieur le maire, que s'est-il passé ? Bien écoutez, vers midi et demi, un feu s'est déclaré dans un entrepôt à proximité du site d'une Somme, un entrepôt de 1000 m² où étaient stockés à la fois des pneus et en même temps des bouteilles de gaz. Il n'y a pas de victime ? Non, aucune victime. Évidemment, les services d'incendie et de secours du département ont parfaitement agi. Ils ont d'abord diagnostiqué la situation, pris toutes les mesures de sécurité nécessaires et se sont attaqués à circonscrire et à maîtriser le feu. À qui appartient cet entrepôt ? À une société qu'on appelle la société Sogeros, qui porte ce nom-là, et qui est en fait une société qui a racheté, il y a quelques années, le site industriel à l'organe de défaisance du Crédit Lyonnais. Vous connaissiez ce site ? Oui, on connaît bien parfaitement ce site. C'est un site extrêmement contraint par des réglementations d'État liées à la présence du fleuve, à une zone naturelle et puis aussi au site industriel à proximité du site Antargaz. Y a-t-il une incidence sur les eaux de la Seine ? Non, il n'y a pas d'incidence sur les eaux de la Seine. A priori, il faudra évidemment prendre le soin de regarder ça très précisément dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Mais pour l'instant, pas d'incident de cette nature. On a une idée sur l'origine du feu ? Non, pas encore. Pas encore. Les officiers ici présents, je crois qu'il y a 14 ou 15 officiers, plus de 75 pompiers pour l'instant s'attellent à la maîtrise du feu et ensuite on regardera les origines évidemment. Parfait, merci. Merci.